La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de prière. Bienvenue à ceux qui sont de passage peut-être aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous regardent chez eux sur Internet, ici en France ou à l'étranger. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres ce matin, avec une liturgie que vous reconnaîtrez peut-être dimanche prochain aussi, puisque nous allons proposer cette liturgie afin qu'elle puisse être traduite dans plusieurs langues, ce qui permettra, si des non-francophones viennent dans notre Église, qu'ils puissent trouver leur langue en venant ici, ou du moins une langue qu'ils comprennent bien. Et donc nous inaugurons cette liturgie aujourd'hui. Et cela fait très longtemps que je n'ai pas prêché ici sans ma consœur Agnès qui se repose, qui est en congé. Et donc nous lui souhaitons un bon congé, un bon repos. Je vous invite à louer le Seigneur en entrant dans ce temps de culte. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au cours des âges, ont vécu joyeusement suivant ta voie. Pour tous ceux qui ont été martyrs, hommes et femmes, qui ont offert jusqu'à leur vie, afin que la vie soit abondante pour tous, cette vie qui vient de toi, pour qu'elle soit manifestée et que ton règne vienne. Pour ton amour et ta fidélité, nous louons ton nom sans cesse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux qui ont choisi la voie de ton Fils, Jésus-Christ, notre frère. Dans les épreuves, ils ont gardé l'espoir. Entourés de haine, ils ont encouragé l'amour au milieu des persécutions. Ils ont rendu témoignage à ta puissance. Dans le désespoir, ils se sont accrochés à tes promesses. Pour ton amour et ta fidélité, nous louons ton nom sans cesse. Et je vous invite à poursuivre notre louange en chantant ensemble dans le psautier français le psaume 118, les strophes 1, 3 et 6. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Thank you.
Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. À travers les paroles du prophète Ésaïe, voilà ce qui nous est dit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les joues, renvoie libres tous ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison les malheureux sans asile, couvre ceux qui ont froid et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore, tu appelleras et le Seigneur répondra, tu crieras et il répondra, me voici. Nous nous plaçons devant le Seigneur avec confiance et nous lui remettons tout ce qui peut nous séparer de lui. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté et de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de nous-mêmes, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Mais le Seigneur nous regarde avec grâce. Il est là dans son amour éternel et il nous dit à travers les prophètes sa parole de grâce pour nous. Et dans le prophète Ésaïe, nous pouvons lire « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. » Que ces paroles de grâce nous accompagnent. Chantons notre reconnaissance pour l'amour de Dieu. Et nous chantons ensemble le répond que vous avez dans les petits livrets à l'entrée du psaume du psautier. Et nous nous levons. Confessons notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure dans notre esprit et nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous chantons ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire les Écritures, nous prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous remettre dans les voies de ta volonté, pour faire taire en nous toute autre voie que la tienne, et de peur que nous trouvions dans ta parole ce qui pourrait nous prendre en défaut. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à entendre ta parole. Aide-nous par ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs à ta vérité. Amen. Ce matin, nous lirons dans le livre des Nombres un texte qui est vraiment, vraiment très rarement lu dans les églises. C'est un texte qui pourrait sembler tout à fait anodin, puisqu'il est tout à fait descriptif d'une pratique qui n'a plus cours dans nos temples aujourd'hui. Et pourtant, il inspire beaucoup d'autres choses. Dans le chapitre 4 du livre des Nombres, à partir du verset 1, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, fais le dénombrement des fils de Kehath au milieu des fils de Lévi, clan par clan, famille par famille, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici le service des fils de Kehath dans la tente de la rencontre. Il concerne ce qui est très sacré. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront décrocher le voile qui sert de rideau et ils en couvriront le coffre du témoignage. Ils mettront dessus une couverture en peau de dauphin. Ils étendront par-dessus un drap tout de pourpre violette. Puis ils placeront les barres du coffre. Ils étendront un drap de pourpre violette sur la table du pain offert et ils mettront dessus les plats, les coupes, les bols, les aiguières, pour les libations. Le pain constant y restera. Ils étendront sur tout cela un drap d'écarlate et le couvriront d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront ces barres. Ils prendront un drap de pourpre violette et couvriront les luminaires, les lampes, les mouchettes, les cendriers et tous ces récipients à huile dont on se sert pour son office. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture en peau de dauphin. Puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap de pourpre violette sur l'autel d'or et le couvriront d'une couverture en peau de dauphin, puis ils placeront ses barres. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour officier dans le sanctuaire. Ils les mettront dans un drap de pourpre violette et ils couvriront d'une peau de dauphin tout cela. Puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres grasses de l'autel, puis ils étendront sur lui un drap de pourpre rouge. Ils mettront dessus tous les ustensiles dont on se sert pour y officier, les cassolettes, les fourchettes, les pelles, les calices, les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture en peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront pas le sanctuaire car ils mourraient. Telle est la charge des fils de Kehath dans la tente de la rencontre. Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, aura sous sa surveillance l'huile du luminaire, l'encens aromatique, l'offrande végétale constante et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance toute la demeure et tout ce qu'elle contient, tout ce que contient le sanctuaire et ses ustensiles. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, ne retranchez pas la tribu
des clans des Kéatites, d'entre les Lévites. Faites ceci pour eux. Ainsi ils vivront, ils ne mourront pas quand ils s'approcheront de ce qui est très sacré. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas un instant pour voir les choses sacrées, sans quoi ils mourraient. Tout cela a l'air très sérieux et même dangereux, car il est question de mort dans ce vadémécum de l'empaquetage. Un sanctuaire ne se déplace pas comme ça, sans précaution. Pour déplacer leur sanctuaire, les Hébreux sont confrontés à une difficulté. Comment sortir les choses sacrées du Saint des Saints sans profaner le nom de Dieu ? Comment ce qui doit être dissimulé dans le lieu sacré, derrière le voile qui sépare les rites humains des choses de Dieu, pourrait-il être manipulé sans être vu de tous et du même coup devenir ordinaire, impur et profane ? Pour déplacer le sanctuaire, qui n'est alors qu'une tente itinérante, les Hébreux sont donc contraints d'imaginer des règles d'enveloppement. Ce sont les prêtres, les fils d'Aaron, qui sont les seuls habilités à envelopper, à empaqueter le mobilier sacré. Le coffre du témoignage, l'autel des sacrifices, mais aussi les ustensiles rituels tels que les fourchettes à deux piques et le chaudron dans lequel la viande des sacrifices est bouillie. Il y a beaucoup de choses à emporter et toutes ces choses sont d'un usage proche du profane. On dirait un peu des ustensiles de cuisine, si vous avez remarqué. Et pourtant, tout cela est tout à fait sacré, car réservé au Saint des Saints, gardé à l'abri des regards, et donc mis à part, sacralisé.
Il faut noter que c'est Aaron qui a la charge d'envelopper. Lui, le frère de Moïse, choisi pour parler au peuple à la place du prophète qui a la langue pesante. C'est donc lui qui prêche. C'est donc celui qui prêche qui parlera au peuple, qui dira les paroles rituelles, qui est préposé à l'enveloppement des choses sacrées, à leur protection du profane, mais aussi à leur mise en récit, à leur mise en symbole. C'est seulement une fois que tout est enveloppé, selon des règles qui font appel au luxe de la pourpre, ou plus étonnant encore, de la peau de dauphin, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui du galucha, que le clan des fils de Kehath, l'un des trois fils de Lévi, pourra venir emporter tous ses meubles et tous ses objets avec les brancards, pour les transporter dans un autre lieu, là où la tente de la rencontre sera montée de nouveau, après des jours de marche, plus loin, ailleurs, dans une autre étape. Extraordinaire déménagement de la maison de Dieu, dans lequel chaque clan des fils de Lévi, cette caste de prêtres, née pour servir le sanctuaire, doit emporter une partie de ce qui est sacré selon une répartition des tâches très normée. Le mobilier et les ustensiles pour les fils de Kehath, les toiles et les rideaux de la tente pour les fils de Gershon, et enfin les planchers et les piquets, bref, la structure pour les fils de Merari. Déménagement qui fait lui-même rituel au cœur de la vie de la communauté, de son départ et de son arrivée. Le nomadisme est ici une expérience du sacré. La distance qui sépare le premier camp du suivant est alors comme une dynamique divine. C'est Dieu qui change de campement et ses prêtres sont responsables de la conservation du sacré au cours du voyage. En lisant ce texte qui décrit par le menu un exercice d'enveloppement, lui donnant ainsi une si grande importance, je pense aux empaquetages de l'artiste Christo, dont le Centre Georges Pompidou offre une rétrospective des années parisiennes en ce moment même. En contemplant son œuvre, peuplée d'objets, d'édifices, mais aussi de personnes, empaquetées dans des tissus, dans des bâches, ou voilées au regard du spectateur, il me semble toucher un peu de ce sacré que nous fait sentir physiquement le texte biblique dans la description du déménagement sacré du temple. Les portraits de femmes enveloppés de plastique transparent et encadrés ainsi laisse deviner la beauté des modèles et accroche le désir du spectateur qui devient voyeur, chercheur et peut-être devin. Ces œuvres du cacher et du voir ont de quoi ouvrir les champs intimes du désir de chacun. Désir érotique sans doute, mais aussi désir de savoir, de comprendre, de cerner ce qui est si difficile à saisir dans l'image, dans l'objet, dans le monument qui s'offre à notre vue. Christo, celui qui a enveloppé le Pont Neuf, enveloppe pour montrer. Ainsi, ce qui est enveloppé est révélé dans sa forme la plus étrange. Les bâches et les textiles maîtrisés par des cordes et des ficelles deviennent dans cet empaquetage des révélateurs de l'invisible, de ce qui, même montré, ne peut se voir, ni ne s'appréhender en soi. Quand il enveloppe le Pont Neuf dans un tissu doré, Christo ne nous offre-t-il pas comme un cadeau des yeux, un pont maintes fois arpenté, mais jamais vraiment regardé? En le cachant derrière ses bâches, ses tissus, il, qui reflète la lumière de toutes les heures du jour, ne nous fait-il pas voir l'attachement indicible à ce lieu qui habite notre imaginaire et qui le structure précisément en ne nous laissant voir que les formes extérieures qui nous font pressentir le souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur? Et puis en impactant un pont aussi magistral que le Pont Neuf, aussi chargé d'histoire,
n'est-il pas en train de le mettre en mouvement, comme si nous allions pouvoir le déménager, l'emporter avec nous en bagage, dans notre imaginaire, dans notre mémoire, dans notre culture, protéger des aléas de la route à parcourir, dissimulé sous le voile qui le protège, mais bien là, à l'intérieur, comme un trésor précieux à ne pas abîmer. Emballer les objets les rend nomades, dynamiques, capables de mouvement, mais aussi sujets à la disparition. Comme ces îles des Bahamas que Christo enveloppe de bâches roses pour souligner leur rareté lorsqu'elles étaient, jusqu'à ce happening artistique, utilisées comme dépotoirs à ordures et qu'elles allaient disparaître sous les immondices. Enveloppées, cachées, masquées au regard pour prendre soin, pour vénérer, pour sacraliser. Voici un acte qui a de quoi nous parler à nous aujourd'hui, qui sommes ensemble dans cette maison de prière, dans la communion et la fraternité, tout en étant masqué, tout en n'offrant pas tout de nous au regard des autres. Nos masques nous dérobent aux yeux des autres. Ils cachent une partie de notre visage et non des moindres. Ils cachent notre bouche, ce qui nous sert à dire. En regardant les masques qui cachent une partie de l'expression du visage de nos frères et sœurs, nous mesurons ce qui nous manque en l'autre pour le comprendre. La parole masquée est amputée de ce qu'elle dit autrement que par les sons. Ainsi, c'est la barrière même entre nous et les autres qui nous fait comprendre la relation qui nous est indispensable et que nous ne maîtrisons pas. Dire, ce n'est pas que dire, c'est dire avec joie, avec ironie, avec humeur, avec méfiance. Dire n'est pas seulement énoncer des mots, mais les accompagner d'un corps qui les révèle, leur fait prendre une amplitude physique nécessaire à la relation. Alors, le masque qui a pour but le soin de l'autre, la préservation de la santé et éventuellement de sa vie, révèle encore autre chose qui rejoint les ustensiles enveloppés dans la pourpre et la peau de dauphin. L'autre se révèle sacré, fragile et précieux, derrière ce qui le protège et me protège. Derrière le masque, la parole doit suppléer au voir et ainsi témoigner de l'invisible, de l'autre dans sa relation. Comme Aaron qui dit mieux que ce que Moïse entend lui-même, la barrière physique devient le moteur du récit, de l'enveloppement des mots. Intimité déplacée, le masque révèle que l'autre, celui qui me parle ou me regarde, est ce que j'entends de lui ou ce que j'imagine de lui, ce dont je me souviens, mais jamais ce que je sais de lui. Je reconstitue l'autre, j'en fais le récit imaginaire, j'essaie de le reconnaître. Il n'existe pas en soi, il est ce que je vais pouvoir retrouver de lui. Il est la forme que j'en reconstitue pour tenter de le comprendre. C'est alors à moi d'œuvrer, de décider ce que je veux saisir de lui, ce que dans ma mémoire, rationnelle ou affective, j'emporterai de lui. Quelle émotion ! La première fois que nous nous sommes revus, tous, dans cette espèce de happening artistique et poétique dans lequel nous étions tous masqués. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi c'était si émouvant. Bien sûr, vous nous aviez manqué à Agnès et à moi. Mais c'était l'émotion sans doute de constater que nous portions tous sur le visage le signe visible d'une menace invisible, autant que le révélateur de notre précieuse vie à chacun. Précieuse l'un pour l'autre.
émotion d'être tous ensemble dans la même aventure, mais aussi du caractère éphémère de notre rencontre, de nos liens, de nos relations. Dans l'itinéraire de ma vie, quel est le paquet que j'emporte avec moi? Peut-être est-ce ce que nous pose ce problème, ce texte-là, quand il nous parle de ce déménagement divin. Peut-être est-ce la question que Christo a passé sa vie à tenter de répondre, à laquelle il a tenté de répondre toute sa vie. Lui qui avait quitté son pays sans bagages, clandestin, à 26 ans, sans savoir ce qu'il deviendrait, et surtout sans pouvoir rien emporter de sa vie d'avant que ses souvenirs et ses attachements. Tels des sanctuaires vivants, ne sommes-nous pas, d'après la Bible, les temples du Seigneur ? Nous traversons l'existence comme ces nomades qui déménagent leur Dieu avec le plus grand soin, qui emportent avec eux ce qu'il y a de sacré en eux, l'enveloppant de pourpre pour sa gloire et de peau de dauphin pour qu'il ne prenne pas l'eau. Notre itinérance sur cette terre a besoin de cet espace que crée l'enveloppement entre nous et le monde, entre nous et le réel physique qui s'impose au regard, mais qui ne nous donne jamais les clés de sa complète compréhension. Adam et Ève eux-mêmes, avant nous, s'étaient enveloppés de feuilles de figuier et de peaux de bête pour affronter le monde du dehors et sa dureté. Il nous faut cet espace dans lequel nous pouvons protéger nos vies et les offrir en cadeau aux autres. Cet empaquetage est souvent source de critique, car on se demande toujours, mais qu'a-t-il donc à cacher celui-là? Et pourtant, c'est absolument nécessaire à la vie. Empaqueté dans l'intimité de nos secrets, de nos vies privées, de nos histoires humaines singulières, des récits que nous faisons de nous-mêmes, les formes des existences que nous donnons à voir ne sont jamais le calque de ce que nous sommes réellement à l'intérieur, avec l'épaisseur des événements et des relations qui nous ont formés. Qui pourra raconter l'essentiel de sa vie à un autre? Nous sommes plus que ce qui est visible, plus que ce qui est dit de nous, plus complexe et à coup sûr plus opaque que ce que nous montrons. Et ce n'est ni dissimulation ni hypocrisie, puisque la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de cette opacité. Nous ne pouvons montrer que ce que nous pouvons au moment où nous le faisons. Et le reste reste caché dans l'enveloppement de nos vies. Il s'agit du paquet de chacun. Émouvant parce qu'il n'a pas la même forme extérieure que ce qu'il y a à l'intérieur. Désirable parce qu'il laisse entrevoir au travers des papiers bulles et autres camouflages qui nous couvrent pour ne pas prendre trop de coups, nous enveloppe, nous protège, corps et âme, ce qui est précieux en nous. Alors, comme nous y enjoignait si bien ma consœur Agnès il y a quelques semaines lors de notre premier happening masqué, regardons-nous, frères et sœurs, regardons-nous même quand nous n'aurons plus à porter de masque avec cette éducation de l'œil que nous procure l'œuvre de l'artiste. Regardons-nous comme on regarde un objet familier, mais protégé par ses tissus et ses ficelles, toujours prêt à partir, tellement précieux, empaqueté et offert comme un cadeau, mais qu'on ne peut jamais ouvrir complètement sans risquer de perdre cet espace béni du sacré entre nous. Amen.
Je vous invite à chanter dans le cantique, dans le recueil Louange et Prière, le cantique 163, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui aujourd'hui encore luttent contre cette pandémie mondiale qui ne cesse pas. Nous te prions pour toutes les familles endeuillées. Nous te prions pour tous ceux qui luttent au niveau des États. Nous te prions aussi pour tous les citoyens des États où on ne veut pas voir la réalité et qui vivent dans l'angoisse. Éclaire-nous, Seigneur. Permets que nous soyons toujours vigilants et que nous ayons toujours au cœur l'attention nécessaire pour cet autre qui vit avec nous. Proche ou au loin, et de qui nous sommes responsables. Rappelle-nous que la vie est précieuse, la vie de tous, la vie de chacun, dans sa singularité, dans sa difficulté à se dire, à se comprendre. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui sont enveloppés sur nos trottoirs parisiens et qui nous montrent parfois des formes dans lesquelles on ne reconnaît pas un humain. Donne-nous, Seigneur, la miséricorde et la générosité qui
qui permettent de relever ces hommes et ces femmes qui vivent dans nos rues. Aide l'entraide à aider ceux qui viennent vers elle pour chercher un secours. Aide-nous à ne pas détourner le regard, mais à les voir comme nos frères et nos sœurs dans la détresse humaine où ils sont plongés. Aide-nous à lutter au niveau de nos États pour une plus grande égalité, une plus grande justice. Que nous puissions regarder en face cette misère à nos portes, afin de la combattre ensemble. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se protègent de la violence dans leur vie. Aide-les, Seigneur, et sois avec nous au moment où ils viennent nous donner le témoignage de cette violence vécue. Que nous soyons ensemble dans la même communion pour lutter contre cette violence et que nous soyons des moyens de protection pour les autres, par nos paroles, par nos actes, par nos prières. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici, c'est le temps d'une halte. Votre campement repart. Vous repartez ailleurs avec votre divin en vous, dans votre bagage. Vous êtes les temples de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Voilà, j'avais oublié de remettre mon masque, mais je vais vous accueillir à l'entrée du temple avec mon masque. Voilà, bon dimanche à tous.